Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, hop, attendez, je fais deux, trois trucs, tac. Voilà, je mets des musiques, donc là on part un peu sur des musiques un peu plus chill, mais avec dans le style Assassin's Creed. Bref, j'espère que vous allez bien, donc on reprend un petit peu de stream, il n'y en a pas eu pendant 4-5 jours, je vous avoue que je suis encore complètement malade. Donc ça va être chill, sans prise de tête, et s'il y en a un qui me fait vraiment trop chier, il dégagera aussi vite qu'il est arrivé. Je préfère prévenir. Du coup, le fait que je sois pas totalement... Enfin, j'ai totalement à chaise, hein, ça s'entend de toute façon, je pense, à ma voix, et ça se voit à ma tête surtout, je pense. Que je suis un peu HS. Bref, j'ai des commandes qui avaient été prises il y a 2 jours, 2-3 jours. Donc là, j'avais une commande de pack ébéniste que j'ai quasiment fini et j'aurai un pack supplémentaire à faire pour la même personne, pack tailleur. Du coup, là j'ai juste à couper un peu le bois de ronce. Techniquement, j'en aurais peut-être d'autres à planter, sauf si le captcha est généreux. Je verrai bien parce qu'il m'en faut 2085 et j'en ai 534 pour le moment. Donc je verrai bien. Je verrai bien, je verrai bien. Bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver, je viens de voir que le nombre a augmenté.
Bon, le captcha pour le moment, c'est pas trop ça, hein. Il veut pas montrer le bout de son nez. C'est un poil chiant. Un poil, hein, vraiment. Je vois qu'on a un bois rare là qui est en train de... Même plusieurs. Bon, le bois rare, hein, ça va être comme tout ce que j'ai jusqu'à maintenant. Hein. Si je stocke tant que j'ai pas de demande. Et si je finis par avoir mon coffre de plein. Où je mets les rares, ça finit tout en HDV. Hein. Ah bah voilà le captcha qui sort un peu de sa tanière. Là, ça fait plaisir. Ouais, je pense que je vais sûrement devoir replanter quand même parce que là on est où? Vous voyez. On a à peine 900, je vais, pas, enfin, je vais passer au 1000, mais bon. Le captcha a pas l'air de vouloir trop être présent. C'est un peu chiant, mais bon. C'est le jeu. Bon, rare, je sais pas ce que je vais en foutre, mais bon. Ce stop, donc tant mieux. Voilà, captcha qui sort un petit peu. Un poil fort la musique là. Tac, tac, tac. Tu pouvais être encore un peu plus présent le captcha, ça serait encore mieux. C'est là qu'il va pop toutes les 5 secondes, ça pourrait être bien. Mais bon. Mince, je me suis trompée en plus. Ah la con. Il y avait bien le 1. What the fuck.
J'étais pas du tout concentrée, hein. Là, c'est bien, le captcha, il pop un peu plus. Ça, c'est cool. Alors, plus de captcha? Pas combien, il va falloir que j'en replante. Il va falloir que j'en plante au moins de quoi en faire 300 et quelques de bois. Donc, je sais pas jusqu'à où exactement je dois en replanter. C'est en train de chercher. Ok, t'es juste derrière moi. Alors, par contre, toi...
Coucou Saucisson, comment ça va? Agnata sur le live? C'est pas un moment que je t'ai pas vu. Ouais, j'ai repris un peu le jeu là récemment. Bah avec l'écho, j'ai pas le temps de regarder des lives. Non, mais t'inquiète, je me doute bien, y a pas de soucis. Ça se passe bien ton truc, du coup? Il y a 3 jours et je repars sur une nouvelle école de Nintendo. Nice, GG! Attendez, j'ai un numéro qui m'appelle.
y a quelqu'un qui s'est fait tromper de numéro. Bon, bref. Passionnant le réseau. C'est pas le genre de truc qui m'intéresserait, moi. De toute façon, déjà, je sais pas quoi que ce que je veux faire, moi, alors ça va plus vite. Encore une commande là. Ouais, bah je repris récemment et j'ai déjà trois commandes. Enfin, techniquement deux. Il y en a une, je lui ai dit, je lui ai clairement dit que si j'avais le temps, je la ferais. Parce que là, j'essaye d'aller assez rapidement. Parce que la deuxième commande que j'ai, le client, il m'a dit qu'il lui faudrait dans deux, qu'il serait pas, qu'il peut attendre 2-3 jours, quoi. Mais bon, j'essaye quand même de me dépêcher. Là, je suis sur une commande pour 10 millions de kama. La prochaine, c'est une petite commande de 2 millions. Donc bon. En fait, hors commande, je ne farme pas. Tu vois, quand j'ai repris, j'avais pas eu des commandes tout de suite, parce que bah déjà, il y a eu les nouvelles zones qui sont sorties, donc les zones chouchou. Donc, il fallait que je remette à peu près à niveau mes métiers, que je récupère les boutures et les graines des nouvelles plantes qui sont arrivées. Donc ça, c'est une bonne chose de fait déjà. Du coup après j'ai remis un message du coup sur le Discord de Wakfu FR. Ça a pris un jour et demi je dirais bon, avant que j'ai à nouveau des commandes. Pourquoi j'ai un ping? Attendez, je regarde vite fait. Ah oui, 10 millions. Après, en vrai, je farm, mais tu vois, là, par exemple, j'ai 25 millions sur moi. Je sais pas. Enfin, je sais qu'il faudrait que je continue mon stuff. J'ai mes chasses à faire et tout. Mais vu que je fais jamais quasiment de donjon, bah, je prends pas le temps de le faire. Je m'en bats les couilles, quoi. Donc, bon. C'est bon, on va dire que c'est bon, ça devrait suffire pour le peu qui me manque. On va attendre que ça pousse maintenant. C'est déjà ça. Certes, c'est déjà ça, mais bon. En soi, je verrai bien, hein, ce que j'en ferai au bout d'un moment. Je verrai bien. Après, si, ça peut m'être utile pour me faire des ogrines pour Dofus. Bon, là en ce moment je suis pas trop dessus. Là, mais j'y ai joué énormément il y a quelques temps. Bah, avec Tempore 6, j'y ai joué énormément. J'ai un nouveau perso sur machin là, j'ai oublié le nom. Sur Pandore que j'ai créé et que j'ai mis 200 du coup. Je passe un peu mon temps sur Jahash dans mon coin. Ah, moi non. Moi j'ai créé un perso sur Pandore afin de pouvoir jouer avec les personnes avec qui j'ai joué sur Tempore 6. Parce que du coup je suis restée en contact avec eux et tout. Même après Temporis, on a joué à Minecraft tous ensemble. On a fait du modé. Donc bon, enfin c'était cool. Du coup là, vu qu'il y en a certains qui avaient déjà des persos sur Pandore,
Bah, j'en écris un aussi, du coup je l'ai up 200 avec ma potion de Temporis. En fait j'ai juste à la stuff. Je me dis que bah si je veux me faire des kamas, j'ai juste à vendre les ogrines. J'ai encore 10 000 ogrines en stock, sachant que je peux me faire facilement des ogrines avec les kamas de Wakfu. Je pourrais largement me stuff plus facilement que ce que je pense. Donc bon. Après j'ai aussi ma team qui est sur Meriana, ça change pas. Et je la transférerai pas, je la garderai sur ce serveur là-bas. Donc bon. Ah, c'est long à pousser par contre, ça c'est cher. T'as mis le thème chouchou? Ouais, j'ai croisé Mikoku sur le vocal du Discord de Wakfuifer l'autre jour et elle en a parlé, donc je l'ai trouvé sympa vu que j'aime bien les thèmes un peu foncés et un peu rouges. Du coup, je l'ai mis. J'ai vu qu'Ogaroma aussi elle est en train de faire son thème. Je suis moins fan, ça fait plus moderne que autre chose, mais bon. Je suis pas trop fan, mais bon. Beaucoup l'aiment. Bah moi j'aime bien. En vrai, je trouve qu'il est sympa. Après, je joue pas Wakfu, mais bon. Certes. Après, si un jour il y a un thème Brakmar qui voit le jour, là par contre, voilà, je sauterai dessus. Merci, Kings Oxao, pardon. Merci pour ton follow. Merci beaucoup. Salut, bienvenue à toi sur live, j'espère que tu vas bien. Assassin's Creed, ça? Ok, c'est celui-là. Ah, plus qu'à attendre que ça pousse. Je connais ce son, ouais, Assassin's Creed d'origine. Il me hante. Faut que je le fasse. J'ai Odyssée aussi à faire. Mais pour le moment, j'avais lancé un premier pour une première fois en stream. J'avais lancé Assassin's Creed premier du nom. Faudrait que je le continue aussi. En fait, j'ai tellement de jeux à finir. Depuis que j'ai un nouveau boîtier d'acquisition d'une bien meilleure qualité et que je peux me permettre de continuer à reprendre mes trucs, j'ai énormément de trucs à finir. J'avais commencé en live, mais au final, pas le temps. Ouais. J'ai vu ouais que tu sortais pas mal de vidéos, mais ça doit être surtout des rediffs de live. Non, même pas, je l'avais absolument plus. Ah ouais? Non, mais t'as le temps de faire des vidéos alors, en gros. Ou alors c'est des vidéos que t'avais en réserve. Enfin, si j'ai l'aide de la construction, de l'ego, pour décompenser mes examens, mais voilà.
Le construction Lego, je sais, j'aurais pas la patience. Enfin, je sais pas si j'aurais la patience en vrai. Parce que j'ai la patience pour beaucoup de choses. J'ai la patience pour faire des dessins, j'ai la patience pour faire des diamond paintings immenses. Mais les Lego, je sais pas. Parce que si j'ai la moindre, si j'ai le malheur de perdre une pièce, je risque de péter un câble. Donc je sais pas si j'aurais eu le truc. Bah, ça m'a pris plusieurs heures, ouais, voilà. Puis. En vrai, déjà le diamond painting, le faire, ça me fait mal au dos. Alors des Lego, quand tu dois te pencher pour savoir où exactement ça doit aller tout, je pourrais pas. J'ai trop de problèmes au dos pour ça maintenant. J'ai fait des Lego experts. Un petit bonsaï et un gant de l'infini. Eh ben. Le seul Lego que j'ai fait, c'est un nanobloc en plus, c'est même pas un Lego. Et c'est un papillusion. Il est dans mes étagères là. Je suis étonnée de l'avoir réussi, enfin j'ai un peu galéré en plus, c'est pire pour le faire donc bon. Mes vidéos, disons qu'un jour par semaine, je me déterre pour en faire 5-6 pour ensuite c'est parti pour toute la semaine. Moi je t'avoue que les vidéos, j'ai énormément réduit. J'en fais quasiment plus depuis quelques temps. Parce que soit je sais pas quoi faire comme jeu, soit bah voilà, soit j'ai la flemme. La dernière que j'ai sortie date d'il y a 3 semaines, c'était la présentation du stuff de mon Eka Flip sur Dofus en opti. Il faut que je fasse aussi celle de ma panda, mais pour dire ouais voilà. Anno 1800 m'a pris 3 mois. Ah oh bah je me doute bien. J'ai vu que t'étais parti sur Anno 1400 là. Mais la version Venise, je l'ai pas encore faite. J'avais fait la version normale, je l'avais fini entièrement. Enfin du moins la mode histoire, je l'avais fini. Donc bon. Oh lui il m'a fait péter un câble, j'ai arrêté. Ah coup dur. Salut un crabe, bienvenue à toi sur live, comment vas-tu? Je me retrouvais à moins 5000 d'argent sans aucune raison, ou à plus de... Ah ouais, t'inquiète, je connais, hein, je connais bien, je l'ai fait hein, à 1400 en mode histoire, hein, je sais ce que c'est. Non oui, moi hormis ça, sinon, bah là, maintenant, tout ce qui m'est rediff de live, ça va sur ma chaîne VOD que j'ai créée. Et tout ce qui est live, mais let's play, donc Pokémon Perle, tout le bordel, ça finit sur ma chaîne principale, donc bon. Du coup là, j'ai joué à Age of Darkness, c'est un copier-coller de Serbilio. Je connais pas du tout. Et moi ça va, ça va. Un peu malade, mais ça va. En vrai, faudrait que je reprenne ma chaîne YouTube parce que elle a pas mal de, enfin, j'ai pas mal de personnes dessus, mais bon, je sais que j'en ai beaucoup qui venaient quand je faisais des streams, mais bon, j'ai préféré me vraiment cette fois et je le resterai, me basculer uniquement en stream YouTube, Twitch, pardon. Bon. En vrai, techniquement, j'aurais une vidéo qui devrait sortir, mais j'ai un dérush de 32 heures de stream à faire, mais j'ai tellement la flemme. Parce que 32 heures de stream, mon dieu, qu'est-ce que c'est long. Oui, en gros, je t'explique, c'était quand, il y a 2 ou 3 semaines, j'ai participé pour un week-end entier à un événement caritatif pour récolter de l'argent pour la SPA. Et au total, sur ce week-end, j'ai fait 32 heures. Sauf qu'il y a eu tellement de bons moments, je me dis ça pourrait être sympa de faire un best-of et tout. Mais waouh, voilà quoi. J'ai cru voir ça sur Twitter. Bah ouais, bah c'est bien passé en plus. On a récolté 14 000 euros total pour la SPA.
De mon côté, j'en ai récolté 242. Bon, je suis assez contente pour quelqu'un qui a pas non plus énormément de personnes en temps normal sur ses streams. Ça me fait plaisir quoi, d'avoir pu quand même apporter ma pierre à l'édifice. Même si c'est pas grand chose. On a eu en plus 2-3 donation goals, parce que j'en avais mis en plus, qui du coup ont été réalisés. On a eu le premier, enfin il y en a un seul qui n'a pas encore été fait, qu'il faut que je fasse à un moment donné. C'est sur Pokémon Pearl, c'est d'essayer d'avoir le Crefade Shiny. Bon là pour le moment on l'avait mis KO, du coup il faudrait que je refasse la ligue pour pouvoir le faire repop. Mais du coup j'ai ça à faire, j'ai quoi d'autre? Non, c'est tout le truc que j'avais à faire. J'avais voulu venir, mais la veille, j'avais dépensé 170 euros dans une autre asso. Mais y'a pas de soucis, t'inquiète, un crabe. Y'a pas de soucis. Après, qu'est-ce qu'on avait? J'avais aussi comme défi qui a été passé, du coup. Mince, attendez, au pire, je vais me sortir mon truc parce que je sais plus. Je l'ai mis où? Je l'ai mis dans ça. Affiche. Elle est là. Voilà. En gros, on a passé jusqu'au palier de 200 euros. Bon, le 300 euros, on l'a fait sans avoir atteint quand même. Hein, mais bon. Donc, en gros, dans tout ça, il me reste juste ça à faire. Donc, le crépa des shiny. On a fait le cross maga en live. On a fait une ou deux games de Rocket League enragé. Overwatch, pareil. J'ai eu le giveaway de 6 jeux pour la communauté et on a fait une map Minecraft d'horreur. Qui était pas mal horreur, oui. J'aime pas les trucs d'horreur, en plus c'est horrible. C'est putain. En soi, j'avais une fête des Notion Goal, mais enfin, comment dire, je savais très bien qu'il y a des paliers qui allaient pas être atteints. Justement, j'ai fait des Notion Goal pour mettre un peu plus d'engouement aux personnes qui feraient des dons, mais je savais que de mon côté, j'allais pas non plus atteindre des sommes astronomiques. J'ai beaucoup de pas Fortnite avec une fille de ma classe aussi. Quand j'y pense, Fortnite, moi je l'ai toujours installé aussi. J'y ai joué pendant le truc, pendant mes streams caritatifs, j'y ai joué un petit peu. Je me souvenais même pas qui jouait saucisson. Je fais le pass de combat et j'arrête en généralement. Moi je me prends même pas le pass de combat. Le peu de V-Bucks que j'ai en général, c'est des V-Bucks que je gagne avec Sauver le Monde. C'est tout. J'ai beaucoup. Quand je jouais encore avec. Quand j'étais encore dans la team Fatalis, j'étais devenue. J'avais mis un peu trop de sous à mon goût en fait dans ce jeu. Et le fait que j'ai arrêté, ça, et que j'ai compris comment faire pour éviter d'en dépenser, ça va. Puis c'est pas pour le peu que j'y joue que voilà. Hein. Bah comme je suis payée pour étudier, je dépense pas mal. Bah en soi, je pourrais dire pareil, je suis payée avec mon truc de ma mission locale. Mais bon, faut quand même que je garde un peu de sous. Là par exemple, tu vois, j'attends bientôt. Là j'attends pour pouvoir... Comment ? J'attends pour pouvoir avoir mes sous la semaine prochaine afin de prendre les cadeaux de Noël déjà. Mon setup a évolué en 6 mois, c'est colossal. Micro à 400 euros, triple screen, RTX 32 Go, un processeur du futur, le total. Bah moi non, là-dessus le PC en fait, le seul truc que j'ai changé, c'est que je me suis racheté une souris parce qu'elle vient de déconner. Je suis passé en triple screen, donc j'ai mon troisième écran qui est arrivé il y a quelques temps, il y a même une semaine ou deux, même pas. Le casque que j'ai changé, je suis passé sur un casque Bluetooth. Beaucoup plus agréable, et puis le mien a commencé à sacrément dégonner.
Puis ça évite d'avoir le fil qui se prend dans les roues de mon fauteuil. Donc, bon. D'un côté, je suis bien comme ça. J'ai pas beaucoup évolué sur mon setup, mais bon, il me plaît ainsi. Ah, ça, c'est peut-être le truc que tu vas pas que je vais pas changer. Vive les écouteurs. Alors, je suis pas du tout fan des écouteurs. Justement, moi, j'aime bien quand j'ai un casque qui m'enveloppe toute l'oreille. Il me manque un appareil photo qui va pas tarder. Ah ouais. Non, la webcam, faudrait que je la change. Parce que je suis... Ouais, ok, je suis sur une bonne webcam. Je suis sur une Logitech. Le souci de celle-là, c'est que déjà, bah, comme vous voyez, j'ai l'impression qu'elle zoome énormément. Alors que là, quand même, elle est assez éloignée de moi. Et de plus, je crois qu'elle va pas plus haut que la 720p. Donc, je voudrais essayer peut-être au moins d'en choper une Logitech, hein, 1080p. Bah, la mienne, c'est... La mienne de C920 est vieille. Je me demande si c'est pas celle-là que j'ai... Non, je... Attends, c'est laquelle, moi? Attends. Non, moi, c'est la C270 que j'ai. Puis c'est marrant, mais pour mes streams Lego, j'ai acheté une webcam à 10€ sur Amazon, mais au final, elle filme pareil que ma 920. Alors, j'avais déjà acheté... Avant que je rachète celle-là, je m'étais acheté une webcam pas très chère sur Amazon, mais qui faisait de la 1080. Bizarrement, elle a très vite lâché. Et j'ai, en plus, le pire, c'était que j'étais encore sur mon ancien PC à ce moment-là. Donc, bon. Alors, hop. Tac. Ok, le bois, on est bon. Hop, ça, je ferme. Du coup, bah là, on va pouvoir passer sur les trucs de paysan. Le bois, c'est fini. Attendez, je cherche là. Ok, donc il faut que je prenne des kawatts. Mais avant toute chose, on va changer le familier. Donc, familier paysan. Et on passe sur le stand. Des figurines, ça, mab, etc. Puis à ce moment, l'argent est dans l'ambiance de mon studio maintenant. Nice! En vrai, moi, je déjà, étant limité à la place dans ma chambre, là, j'ai essayé encore un peu d'améliorer comment je pouvais ranger mes meubles et tout. Là, je suis un peu plus satisfaite, parce que déjà, là, on voit un peu, du coup, ma collection de quelques trucs. Donc là, il y a surtout mes pop Overwatch qu'on voit. Mais pour dire comme quoi, bah là, comment c'est placé, je trouve que c'est mieux que ce que je l'avais avant. J'ai mis un peu de temps avant de savoir comment je voulais mettre exactement mes trucs. Parce que je voudrais avoir une ambiance tranquille pour ma webcam, enfin au niveau fond de webcam. Mais bon, je suis pas satisfaite 100% des fois. Hein. Mais bon. Parce que en fait, avant j'ai l'impression que ça faisait surtout bazar en fait. En même temps, après, c'est ma chambre, c'est normal, j'ai envie de dire. Mais bon. Alors, les graines de kawotte, elles sont là. Moi, surtout pour moi-même, que je me sens bien dans ma pièce. Oui, aussi, techniquement aussi. Bah, en soi, personnellement, ça va. Ma chambre me convient amplement. C'est clairement l'une des chambres les plus grandes que j'ai eues jusqu'à maintenant. Mais je suis quand même assez limitée. Et puis, j'arrive pas, en fait. Il faut que je trouve un bureau qui serait bien. Pas un bureau sur mesure, parce que ça coûte la peau du cul. Mais je voudrais un bureau qui soit bien. Parce que là, je suis sur un bureau d'angle. Et c'est pas fou, quoi. C'est pas foufou. Là, je suis dans l'angle pour pouvoir réussir à caser mes trois screens. Mes trois double screens. Donc, bon. En fait, moi, mon bureau, il faut genre le bureau qui puisse loger trois écrans, qui puisse loger des consoles, étant donné que j'ai mes consoles qui sont à côté pour les streams. Donc, bon. Pas ton bureau, qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu verrais, moi, c'est le foutoir. Hein. Faut pas voir mon câble management. Hein. Oh, faut pas le voir, hein. C'est un massacre. Hein. Mon bureau, c'est littéralement un plan de travail découpé. Et maintenu sur le mur et avec un pied. Tu l'as vissé au mur? Ça, je pourrais pas, moi, par exemple, parce que bah, je suis en location. Donc, je pourrais pas faire ça, moi. Mmh.
sur les câbles, ça va, rien que le fait d'avoir mes trois écrans en hauteur et un seul pied, ça limite déjà pas mal le bordel. Et puis sinon, il y a un trou dans le plan qui travaille, qui fait pas ça. Ah ouais, non, moi j'ai pas. Non, moi justement, les fils sont tous derrière et le. Bah, le... Comment ça s'appelle ? La tour est justement là. Mais je me demandais, moi, ma tour, j'hésite à la passer sur mon bureau carrément. Le seul truc qui serait peut-être. En fait, avant, je ne voulais pas le mettre sur le bureau parce que j'avais un casque filaire. Et étant donné que les prises de casque sont sur le dessus, bah ça aurait fait bizarre. La seule prise qui est sur le dessus et que je suis obligée de laisser sur le dessus, c'est mon branchement de mon boîtier d'acquisition, étant donné qu'il demande une USB 3.0 et c'est la seule que j'ai à aller sur le dessus. Après, à l'intérieur, comme j'ai monté moi-même mon PC en cours, j'ai tout rendu invisible. Ouais. Perso, si j'achète un casque, ça devra se brancher sur ma carte sur externe. Donc ça me fait un peu chier aussi. Merde, je voulais pas en planter là. En soi, non, moi là-dessus, j'ai pas de soucis. Puis en plus, vu que c'est un casque Bluetooth, en fait, j'ai juste mis la clé USB. Enfin, l'USB qui a été fournie avec, et puis basta. En vrai, en plus, j'ai hésité beaucoup. Et puis, c'est un ami qui m'a parlé du fait que Logitech, du coup, ils avaient sorti un casque Bluetooth. Pas cher. Enfin, pas vraiment cher. Donc je suis obligée quoi. Et il a fait une. Enfin. Étant donné que j'ai un micro sur pied, j'ai pas besoin du micro qu'il a d'intégrer. Parce que c'est le seul défaut qu'il aurait apparemment. Parce que moi, franchement, niveau son, j'ai pas à me plaindre. Il est vachement bien. Bon après j'ai pas testé que si un jour je dois m'en aller par exemple quelque part et que je prends mon PC portable. Je n'ai pas regardé s'il fonctionne avec mon PC portable. Faudrait que j'essaye. Là j'essaye, mais un jour, mais bon. En vrai, le truc que je me demande, c'est que si je mets mon PC sur mon bureau, je sais pas comment je pourrais la mettre. Parce que de ce côté-là où je regarde, il y a mon troisième écran et il y a mes consoles. Il faut savoir qu'après ma tour, c'est quand même assez bordel. J'ai beaucoup de fils, j'ai énormément de câbles qui passent partout. Donc voilà. Mais ouais, bon. Ma tour restera par terre, pas la place pour autrement. Bah normalement, en fait, moi, mon bureau, il a un emplacement, en fait, où on enlève juste une étagère. Normalement, c'est pour faire loger un PC fixe dedans. J'ai essayé. Mon PC fixe est trop large. Et beaucoup trop large. Et il ne loge pas. Donc, j'étais en mode, yes. Bon, au final, ça me fait encore même des rangements. Parce que, bah, faut bien ranger mon bordel. Mais pourquoi il y a un appel encore Ah, je réponds pas. J'ai encore le même numéro qui m'appelle alors que je lui ai dit que c'était pas moi. Il va falloir que ça arrête de m'appeler, ça. Je rêve. Genre, pour vous donner un exemple, si je me trompe pas, il y avait. Le pire, c'est que ça marque en plus, mon portable il marque. Peut-être qu'il y a le toki. Alors, pas du tout. En fait, que j'explique, le numéro qui m'a appelé, c'est quoi? C'est infirmière libérale à domicile. Je n'ai jamais contacté d'infirmière libérale. Surtout à domicile, et la meuf elle m'a appelé, elle m'a dit oui bonjour, on a reçu un appel sur ce numéro comme quoi, il y avait une prise de sang demain. Je te demande pardon. J'ai jamais demandé de prise de sang. J'ai jamais fait tout ça. Donc bon. Je lui ai déjà répondu une fois que c'était pas moi la personne qui a appelé, qu'ils se sont trompés de numéro, ça sert à rien de me rappeler une deuxième fois.
Enfin, je sais pas quoi, à un moment donné. Ensuite, du coup, qu'est-ce que je peux planter? De l'avoine, tac. Là, ceux-là que je suis en train de planter, je me permets de les planter comme ça en qu'une seule fois, parce que c'est pas des quantités énormes qu'il me faut, étant donné que la personne qui m'a commandé ça en avait déjà. Ça, faut juste lui donner la quantité nécessaire, donc voilà. Après, faut savoir que le live, je vais pas le faire durer énormément. Parce qu'après, je voulais aller jouer avec mon frère, du coup, justement, à Minecraft. Donc, bon. Genre, je pense vers 15h30. Ouais, on va faire une petite heure. Hein. 15h30. En gros, je pense, je plante tout ça, je récolte. Mais voilà. Et ben, moi, je vais glander. Yes. T'as rien à faire? Là non, mon rendez-vous pour mon école est mardi. D'accord. Ça me fait penser que moi jeudi j'ai mon rendez-vous aussi avec ma mission locale. C'est pour encore me dire bah vous avez pas de sage, bah non. Vous avez rien trouvé? Bah ouais, il y a rien trouvé. Il y a rien. Je suis limité par mes déplacements. Ça risque d'être compliqué et je vais éviter d'aller dans les grandes villes, sinon ils vont nous faire chier en mode pour que vous vous vaccinez. Non, j'ai pas envie de leur merde. Et de toute façon, en soi, je veux bien faire des stages, mais j'ai aucune idée dans quoi, donc ça change pas grand-chose. Donc avoine, ensuite champignons marbrés. J'ai dû faire mon stage de fin d'année dans une asso de médiation numérique. Ça s'est bien passé? Pardon. Camion, non, c'est pas vrai. On change pas les bonnes habitudes, saucisson. J'ai pas oublié, hein. Et merde. En vrai, moi, les seuls stages qui pourraient m'intéresser, peut-être, hein, si vous pouvez au moins essayer, c'est d'aller dans l'informatique, mais vraiment hein, la réparation d'ordinateur. Malheureusement, les seules entreprises dans le coin que j'ai qui seraient informaticien, soit elles n'existent plus, et merci Google de les référencer encore, soit c'est la réparation, mais de logiciels, donc ça ne m'intéresse pas. Donc c'est un peu chiant. Un gars de ma classe a fait son stage à aider, c'est oula. Et un autre dans la réparation des bornes à McDo. Oh putain.
TLDLC encore, ça va, mais alors dans la réparation des bornes McDo. Alors, tu veux pas le planter, oui? Bah, LLC, c'était du montage-démontage. Ouais, ça, c'est pas étonnant, en vrai. En soi, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne point. Je sais qu'il y en a un pas loin, enfin pas loin de chez moi. Je sais qu'il y en a un dans une ville pas loin de chez moi, un DLC, mais bon. Je sais pas, je peux pas y aller quoi. Enfin pas loin, elle est quand même à 30 minutes en voiture. Et malheureusement, là où il est placé, le bus que je dois prendre pour aller de la, qui vient de ma ville à cette ville-là, ça va pas. Hein. C'est pas, c'est à l'opposé limite quoi. Qu'est-ce que je voulais dehors, du coup, du seigle. En vrai, je pense apprendre à monter ou à démonter un PC, ça pourrait m'aider à pouvoir bah, justement faire l'entretien du mien. Parce que je suis incapable de savoir faire ça, parce que si je ne, si j'ai peur d'y toucher en fait, surtout. Parce que je suis sûr que je ferais des conneries et j'ai pas envie de foutre en l'air mon PC. C'est pas compliqué, je, peut-être, mais bon. Il y a certains trucs que je. Voilà. Parce que là, par exemple, je vais te donner un exemple, saucisson. Et très récemment, j'ai remarqué que j'avais des prises, du coup, HDMI, DVA, VGA et DVI, en supplément de celles que j'avais déjà de base. Et sur ces. En fait, sur ces prises-là, elles ne sont pas du tout reliées à ma carte graphique. D'où le fait que mes écrans n'étaient pas reconnus sur cette prise-là. Donc c'est un petit peu agaçant. On a appris ça au début de ma formation réseau. D'accord. Ça aussi, et ça aussi, on a tout appris, même les différents DVI. D'accord. En vrai, moi, ce qui m'a juste agacé, c'est que bah, mon écran, en fait, que j'ai acheté, il avait que la prise HDMI ou VGA. Du coup, j'ai dû acheter un adaptateur HDMI DVI, étant donné que la seule prise que j'ai encore, de, qui était encore libre, et qui était branchable du coup au niveau de ma carte graphique, voilà. T'as branché tes écrans sur la carte mère, ouais, pas la CG. Non, ils sont, justement, ils sont sur la carte graphique. Non, justement, mes trois écrans sont au niveau de la carte graphique. Justement, c'est les prises qui sont au niveau de la carte mère, je crois, qui ne fonctionnent pas. Donc elles ne sont pas essentiellement pas branchées en fait. Donc mon cas, ma prise VGA, ma prise HD, ma deuxième prise HDMI et ma deuxième prise DVI. Après en soi, trois écrans, je vais pas en brancher un quatrième, donc mais ça m'a juste fait chier de devoir acheter un. Voilà. J'ai trois écrans identiques, seul bémol, il n'y a pas trois fois la même prise sur ma carte graphique. Ah ouais. Bah après, ouais voilà, moi aussi, hein, t'inquiète. Hein. En fait, maintenant j'ai trois écrans différents. J'ai deux Yamaha, mais de tailles différentes. Et j'ai un, le, mon troisième écran est un Delph. En gros, mon premier écran, il est branché sous... Je sais plus le nom. Attendez, je vais aller voir. Il est branché sous... merde. J'ai perdu le nom. Il n'y a pas le nom marqué dessus. Bref, j'en ai un qui a... En fait, du coup, j'en ai un qui est branché en DVI, j'en ai un qui est branché en HDMI, et l'autre, c'est en quoi? C'est un autre type de branchement. Pas un VGA, mais encore un autre. Après, moi, saucisson, c'est pas des écrans très chers, en fait, que j'ai. Et je crois que le bon plus cher, il m'a coûté 130 ou 140. C'est mon... Non, non, il y en existe encore un autre type de saucisson.
Merde, j'ai oublié le nom. Attends. Ah, pour toi. Bah attends. Je sais que mes écrans, je les ai tous commandés sur Amazon. Que j'essaie de voir. Alors voilà, le premier que j'ai, donc enfin celui-là qui est mon second écran, le DVI. Non, non, pas DVI, un autre encore. Et salut Angmar, bienvenue à toi sur live. Donc le de mon écran qui me sert d'écran secondaire, c'est un 22 pouces. Du coup, lui, il est branché en HDMI. Mon deuxième écran, c'est un 23,8. Enfin, 24 surtout, on va dire plutôt. Qui lui a un branchement. Attends, ça, je suis sûre que c'est marqué. C'est pas marqué, yes. Ah, super. Bref, et l'écran, mon troisième écran que j'ai commandé très récemment, durant le Black Friday, du coup je l'ai eu qu'à 100€, c'est un 24 aussi. Du coup, il fait la même taille que mon écran principal, mon troisième écran. Attends, je suis en train de me dire, je l'ai eu en sacrée réduction en fait. Je l'ai payé 100€. Il en vaut 268. J'ai eu une sacrée réduction en effet. Et le seul bémol, enfin, si on peut appeler ça un bémol, bah c'est mon DisplayPort. Voilà, DisplayPort. Mon écran principal est branché en DisplayPort. Voilà, j'avais oublié le nom. Et le seul truc qui ne changera pas sur mes écrans à l'heure actuelle, étant donné que c'est des écrans pas forcément chers, c'est qu'ils sont en 75Hz. C'est... ça suffit. Et un adaptateur DisplayPort HDMI. Pas du tout. Non, non. Il est branché vraiment en DisplayPort de l'écran à mon PC sans adaptateur. J'ai dû me taper ça pour le troisième mois. RIP. Moi non, il y avait vraiment ce qu'il fallait pour le truc là-dessus, j'avais pas de soucis en vrai. Du coup, ouais, j'ai tout ce qu'il me fallait là au niveau de mon PC. En soi. Après, ouais, là, je pense que le prochain achat que je vais faire pour le PC, ce sera de voir si Logitech propose pas une meilleure webcam. Bah, c'est des 75Hz aussi ce que j'ai à mes écrans. En soi, ça me suffit aussi, hein. Je dis pas le contraire là-dessus, hein. Mais c'est juste pour dire que bah pourrait y avoir mieux, mais bon. C'est. Comme j'ai pas non plus énormément de sous, et que c'est déjà très bien que. Bah. Pour quelqu'un qui n'a pas énormément de sous, j'ai réussi à obtenir un bon PC avec triple screen et bah, des bons trucs, en vrai, j'ai pas à me plaindre. Mais quand je vois qu'ils sont à 200€ alors que j'ai payé 100€, j'hallucine. Bah ouais, en fait, quand tu les payes en promo, ça tu m'étonnes. Bah, tu vois, moi j'hallucine là au niveau du prix de mon troisième écran que je me suis acheté lors du Black Friday. Il y a quand même 160 balles de différence avec le prix que je l'ai payé. Bah va manger hein, saucisson. Écoute, que veux-tu que je te dise? Je suis en train de crever de chaud moi. Quelle idée de mettre une écharpe chez toi? C'est pour éviter que mes cheveux me gênent. Je les ai coupés il y a quelques temps, du coup ils sont beaucoup plus courts qu'avant. Du coup mes cheveux ils viennent me chatouiller dans le cou et j'aime pas ça.
Oh mon Dieu. Alors, donc les kawatts, il m'en faut 160. J'en ai pas une seule. Donc normalement, ça doit, je devrais avoir ce qu'il me faut là. Non, il m'en faut 150. J'ai dit 160 comme une con. Bon, j'espère que j'en ai planté assez. M'en faut quand même 150. À moins que le captcha veuille sortir un petit peu, ça serait cool. Oh, je vais pas en avoir assez, vous allez voir. Avec la chance que j'ai. Minutes que je galère sur un combat, j'avais les stats full force pour mettre en vente des trucs. Je suis haut sur Dofus. T'es sérieux? C'est un peu con, c'est sûr que tu galères un peu comme ça. Aïe aïe aïe. Si au final ça devrait passer, je devrais avoir ce qu'il faut. Je vais péter mon crâne sans 350 de chance en moins. Ça pique. Ah, oui, en effet, tu m'étonnes. Tu joues quelle classe toi sur Dofus? J'ai un Fekka haut de la tristesse. J'ai jamais joué Fekka moi sur Dofus, donc je sais pas ce que donne cette classe. Quelle horreur ce captcha. Oui, le captcha a pas mal changé apparemment. Enfin, comme t'as pu voir, déjà ils sont pas. Les trucs c'est éparpillé. En plus, de temps en temps, pour couronner le tout, il est bugué. Genre, il a une case de son côté pour que tu dois trouver de ton côté, que toi tu n'as pas par exemple. Donc bon, moi après quand ça arrive, moi j'ai des Coroco, ça a fonctionné. Mais il y a des gens qui n'avaient pas compris qu'il fallait qu'ils des Coroco. Il y en a une, elle était arrivée à moins de 700 et du coup bah récolter que dalle quoi. Je cherche même plus à comprendre Wakfu. De toute façon, j'ai envie de dire Wakfu les bugs, hein, c'est une grande histoire d'amour. Même Dofus n'est pas autant truffé de bugs. Salut Alpha Zero, Yonata sur live, comment vas-tu? Pardon. Je sais pas si le son de la musique est un poil fort, n'hésite pas à me dire. Tu veux craft quelque chose? Non, du tout. C'est une commande. Je forme les commandes comme j'ai toujours fait en fait jusqu'à maintenant.
Puis sinon, je peux le craft tranquille, j'ai ce qu'il faut, j'ai le métier. Hop, attendez, tac. Donc, melon, on valide, tac. À toi de commander? Comment ça, à moi de commander? Combien d'avoine? 165 également. Tant que ça pousse totalement avant de couper, en général, c'est mieux. Pour nous obtenir des rares, comme ça au passage. Alors, hop, 165, tac. Et après, donc 135 champignons marbrés, il me faut. Donc là, il m'en faut, ouais, 135, du coup.
Ok, alors, j'avais dit 135. Pareil pour la fibre de seigle, du coup, on passe à 135. Le temps que ça pousse un petit peu, je vais aller un peu enlever tout ce que j'ai en surplus sur moi. Donc, ressources rares, on va déjà les poser. Et boutures, hop. Ça, hop. Parce que quand j'ai fermé mon... ça a fermé mon truc du coup. Tac. Donc là, il m'en faut combien? 135, il me semble aussi. En effet. Bah tiens, il y a le Gabcha qui vient aider. Capture encore. Mmh.
encore en rare. Bah putain. Hop, donc on a dit 135. T'as fini bientôt. Hop. Enfin, là, du moins de récolter ça, après il me reste encore pas mal à faire dans la commande en soi. La commande, alors c'est un pack métier pour monter du coup comment ça s'appelle, donc là le bois c'est pour monter ébéniste et le tout ce qui est paysan c'est pour monter tailleur de du coup de 14 à 130 avec des trucs qu'il a déjà en plus mais qui avec des trucs enfin des ressources qu'il a déjà mais qu'il n'a pas dans le dans la totalité qu'il lui faut. Voilà. Refuser de farm métier pour pouvoir up métier et farm métier. Après, c'est pas parce qu'ils refusent peut-être, mais parce qu'ils ont la flemme surtout. Et ils préfèrent payer quelqu'un pour pouvoir que cette personne en question leur farm les ressources dont ils ont besoin pour up. Moi, ça me dérange pas, c'est mon business. Hein. Mais bon, c'est comme ils veulent, hein, les gens, c'est... Ils sont pas doués. Bah en vrai, là, je peux comprendre. C'est des métiers d'artisanat, donc c'est un peu plus chiant. Mais tu sais que j'ai déjà eu des packs de métiers pour que les gens montent, par exemple, le métier de... Je sais pas, de pêcheur, de tout genre. Donc voilà. Salut Cerizawa, comment vas-tu? Bienvenue à toi sur le live. Tu veux baisser ou enlever ta musique? Ah, elle est peut-être un peu forte. Fallait me le dire, parce que je sais pas moi, j'arrive pas à juger avec... Allez, ne t'en fais pas. Oh, t'inquiète, hein, ça me dérange pas de baisser après. Donc là, j'avais dit qu'il m'en fallait combien? 165. Puis en soi, c'est des musiques douces, vu que c'est des musiques d'Assassin's Creed, en vrai. Enfin, pas les musiques d'action, mais les musiques normales, elles sont douces, quoi. Thank you.
Bon, bah voilà. On aura bien avancé sur la commande un petit peu quand même. Hop. J'essaierai de la finir demain ou aujourd'hui, hein, je verrai bien. Hop, tac. Bon, je vais arrêter le stream ici, les gens. Du coup, je sais pas quand est-ce que je re-streamerai. Pour ceux qui sont arrivés un peu au milieu de milieu fin, c'est que je suis pas forcément, je suis un petit peu malade en ce moment, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de stream. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne après-midi, enfin une bonne fin d'après-midi plutôt, une bonne soirée, une bonne nuit, tout le tralala. Et je vous dis, bah, je sais pas à quand pour un prochain live, bref. Allez, bisous bisous tout le monde.